dans l'optique d'apporter des pistes de solutions aux problèmes de dégradation des sols et de déforestation pour de nouvelles parcelles. Le syndicat national des acteurs et professionnels de la filière anacarde de Côte d'Ivoire a initié un atelier autour du thème « Environnement et travail, les perspectives d'une transition juste dans la filière anacarde en Côte d'Ivoire ». Les acteurs et les professionnels de la filière anacarde sont unanimes sur quelques problématiques qui minent leur secteur. La faible productivité et la mauvaise qualité des récoltes en rapprochement avec le changement climatique, l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. Pour trouver des pistes de solutions à ces problématiques, le SINAPFACI a organisé un atelier de sensibilisation en vue de permettre aux participants d'identifier les méthodes de restauration des sols agricoles et d'amener les acteurs et professionnels de la filière à intégrer dans leurs habitudes et pratiques agricoles la préservation, la protection, la restauration et la gestion durable des sols et support du verge anacardier en Côte d'Ivoire. Nous sommes référés à la loi d'orientation agricole du 20 juillet 2015. Qui demande aux producteurs, aux exploitants agricoles de respecter vraiment l'environnement, les bonnes pratiques agricoles pour respecter l'environnement. Et nous apportons notre petite contribution pour réellement arriver à cet endroit en inculquant aux producteurs les bonnes pratiques agricoles. Et l'atelier là nous a rapporté, parce que aussi on nous a appris beaucoup de choses que nous-mêmes on ne connaissait pas. On utilise des choses qu'on ne sait pas que ça détruit la nature, on ne sait pas que ça joue sur nous-mêmes. L'atelier a été très riche. Elle a été très riche parce qu'elle nous a amené à comprendre beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Elle nous a vraiment sensibilisés sur le bien-être de la nature. Les participants à l'atelier de sensibilisation, de protection, de restauration et la gestion durable des sols support du verger anacardier en Côte d'Ivoire sont repartis avec des attestations de participation.